La peinture, ça a commencé il y a 30 ans. Après, il y a eu l'aquarelle, c'est-à-dire la peinture avec une technique différente, portative, beaucoup plus portative, il y a 20 ans. Puis finalement, la photographie, il y a 10 ans, quand je me suis remis à la photographie en numérique. Ça a toujours été présent pour moi, dans ce que je crée en art graphique. C'est de restituer le dessin dans les aquarelles et les peintures. Pendant longtemps, j'ai sillonné le monde, oui, j'étais dans des pays très lointains, j'ai vécu en Extrême-Orient, avec un carnet de croquis à la main, et je dessinais au crayon au cours de mes explorations et mes voyages. Je dessinais au crayon les gens dans la rue, les marchés, des fruits, des paysages. Après, j'ai commencé à faire ça à l'aquarelle, donc avec des couleurs, je m'étais bricolé un matériel portatif, mais c'était toujours à l'occasion de voyages. Et finalement, il y a 10 ans, c'est la photographie qui s'est mise à remplacer ces pratiques de voyage et qui a pris la place. Je ne fais plus vraiment ni de dessin, ni d'aquarelle au voyage. Les photographies sont faites au cours d'explorations, mais alors ça peut être des explorations à Paris, tout comme des explorations au cours de voyages dans des villes très lointaines. J'ai été jusqu'au Chili, jusqu'en Extrême-Orient, pour faire ces photographies. Dans cette vie d'artiste, elles sont la partie où je vais à la découverte du monde. Je l'explore parce que je cherche quelque chose. Quand on est photographe, on cherche quelque chose dans les paysages dans lesquels on se promène. Alors, c'est des paysages qui sont souvent urbains pour moi, quand même. Hein. Mais on va chercher quelque chose, et moi, ce que je vais chercher, finalement, j'ai fini par me rendre compte que ce que je vais chercher, c'est la même chose que ce que je vois dans mes peintures, c'est-à-dire de l'abstraction, des mondes qui se télescopent, qui se rencontrent, qui se superposent. Et puis, il y a aussi une autre partie de ma photographie qui reste une contemplation d'un monde qui serait harmonieux, qui aurait une beauté classique, et que je cherche aussi, et que j'aime bien prendre en photo, que j'aime bien regarder aussi. Avec un équilibre, on a des photos qui sont équilibrées, avec des verticales, des arches, des espaces qui sont bien structurés, là aussi. Et en fait, ces équilibres sont importants pour la peinture abstraite, parce que la peinture abstraite, c'est bien entendu, c'est pas n'importe quoi. Même si c'est pas figuratif, il faut que les ensembles soient équilibrés. Donc en fait, voilà, c'est ici que je suis installé, donc c'est orienté au nord, avec vue sur le jardin et donc la lumière du nord. Et puis j'ai besoin d'avoir autour de moi les essais, les peintures en cours, les toiles prêtes, les préparations à différents stades, des peintures quasiment terminées, et puis et régulièrement j'ai besoin de m'asseoir, de prendre des bouquins. Il y a une dizaine d'années également, j'en ai profité pour commencer à faire de l'abstraction. L'abstraction, c'est pas du tout plus simple que le figuratif. Je dirais, même en un sens, en exagérant un peu, on peut dire que c'est plus difficile, puisqu'on n'a plus le support du réel pour nous guider sur ce qu'on doit faire. Donc on doit créer à partir de rien, finalement. Je peux préparer une peinture bien fluide, et je vais commencer à utiliser. J'ai besoin de pouvoir tourner autour de. Orientaux tiennent le pinceau comme ça, exactement comme ça, verticalement, et c'est ce qui permet une liberté dans toutes les directions et donner libre cours à vraiment à l'expression de son bras, de dessiner en peignant, enfin. Et je vais pouvoir commencer à l'utiliser.
il arrive un moment où il faut faire attention. Donc là, phase de réflexion. Et là, il faut se poser la question, comment ça évolue? Où est-ce qu'on va mettre les couleurs? Où est-ce qu'on va mettre les formes? Je fais en général en trois... J'ai trois phases théoriques, mais qui se mélangent. J'ai le fond, les formes et le motif. Là, je prépare le fond. Et les formes vont être... vont commencer à se détacher du fond, en quelque sorte. Et à contraster par rapport au fond. Et le motif, pour le moment, ce que j'appelle le motif, c'est le grand symbole noir. Mais finalement, c'est de plus en plus intéressant de mettre le motif en même temps que les formes et de bien lier les formes et le fond. Donc, il n'y a pas de règle. Maintenant, l'aquarelle et la peinture à l'huile, comme la photographie, sont intégrées finalement dans une même pratique, qui est celle de mon existence, qui est celle de ma vision du monde qui m'entoure et qui est ma manière d'être au monde. Ma manière d'être au monde, c'est d'explorer, de prendre ces photographies, de faire ces études à l'aquarelle, et puis finalement de faire ces tableaux à l'huile. Mais le noir, c'est ça apparaît comme une constante ou une marque quasi permanente dans ce que je fais actuellement. Les gens me demandent pourquoi ces grands signes noirs. Je pense que si je comprends bien ce qui se passe et ce qui m'arrive, je pense que ces noirs sont la présence du symbole au sein de la peinture, sont la présence du graphisme et de l'écriture. On peut les rapprocher parfois de la calligraphie orientale. J'ai vécu en Extrême-Orient, effectivement, une période de ma vie. Et puis, c'est la présence de quelque chose. Alors, ça peut être la présence de l'idée, de l'homme pensant au milieu de cet univers coloré, déstructuré. Nous les artistes, si on prend la peine de faire tout ce travail, bon, d'abord c'est parce qu'on a conscience qu'on ne peut pas vraiment faire autrement, mais c'est parce qu'on pense que l'homme doit renouer à la fois avec lui-même et avec ses semblables, et c'est en l'aidant à retrouver quelque chose en lui qu'il va, pour schématiser, qu'il va redevenir bon. Si on peut aider les gens à redevenir bons par l'art, c'est la première mission de l'art de toute façon. Alors pour ça, moi j'ai choisi de traiter des thèmes. Je groupe mes tableaux, notamment mes peintures, par thème. Là c'est le thème Route de Braise. Et chacun de mes thèmes représente une situation de la condition humaine. C'est-à-dire une situation que n'importe quel homme, partout sur la Terre, peut traverser, quelle que soit d'ailleurs sa religion, son système de société ou quoi que ce soit. Ce sont des choses vraiment basiques, communes. Route de Braise, c'est le thème de la ferveur. C'est l'homme, lorsqu'il est aspiré par un projet, lorsqu'il est en ferveur pour un objectif qui peut être de tout ordre, mais qui fait qu'il est, lui, dans un état et dans une disponibilité, une énergie qui est celle de la ferveur. Route de Braise, c'est la braise qui reste brûlante sous la cendre, c'est la ferveur.